Continue. Et tes études, ça a bien marché? Très bien, mon fils. Tu prépares là ton avenir. Parce que à votre époque là maintenant, si tu ne vas pas à l'école, tu es condamné à devenir manœuvre des autres. Et oui. Notre époque était de savoir faire de plantation la chasse, la pêche. Et oui, le temps change. Bon, tu m'excuses, Ngwala. Je discuterai mieux avec toi le soir. En attendant, je vais faire un tour à côté. Très bien. Mais ne tarde pas de rentrer. À tout à l'heure. Ah, Ngasala. À propos, si tu peux arriver au village de Mbonantaba, dis à ma fille Abodja que je vais la voir. Gassala, ils arrivaient. Les enfants d'aujourd'hui là, vous grandissez comme de là. Toi que j'ai vu hier là, tu es maintenant grand comme ça. Est-ce qu'elle vous dit là-bas? Oui, elle doit être dans sa cuisine là-bas. Ah, Boja. Assieds-toi. Comment ça va, ma fille? Ça va bien. On dirait que tu as maigri. Tu es malade ou quoi? Ah, Tara, les choses de la vie. Depuis la mort de ta mère, tu ne viens même plus me voir. Et tu t'es mariée comme ça. Je n'étais même pas au courant. Tu trouves tout ça normal? Si toi tu ne viens pas, tu ne m'envoies même pas mes petites filles me voir. Enfin, tout ça, c'est toi seul qui vois. Je t'ai appelé, c'est pour que tu ailles dire à tes oncles de venir me voir demain. J'ai à leur parler. Bien. Je m'en vais. Attends un peu, je vais te donner de la banane. Le messe. Le messe. Eh? Ana manja manga, babri. Walin dim patara wanja. Ah. Wanya, kai na anya.
Voilà. Ah, tu as vu ton père? Oui. Comment il va? Ça va. Mais il a dit qu'il veut absolument te voir. Bon. Wunga, tu iras là-bas demain. Je dois aller finir d'abattre les arbres dans la nouvelle plantation de ma femme. Et à ton retour, tu me diras si tu t'auras dit. Ça va? Tu peux m'appeler Ngondo? Tiens Ngondo. Comment va? Ça va bien. Et ta petite soeur, elle va bien? Oui. Ngassala est passé à la maison nous voir. C'est lui qui m'a dit que tu étais là. Ah, tu m'excuses. Hein? Je ne suis pas venu te voir depuis que je suis arrivé. J'aide mon père à terminer sa nouvelle case. Et tes études, ça a bien marché? Un peu. Vivement que tu viennes quand même un jour à Libreville. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment vous faites pour tenir ici. Ah, c'est l'habitude. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, à Libreville, c'est différent. On s'amuse bien et on a les cadres de coutume et de toutes vos histoires de village. Tu te rends compte? Mes parents ont commencé à me parler depuis que je suis là. Ils me cherchent une femme parce que j'ai l'âge de me marier. Comme si à notre époque, on devait nous donner à des gens forcés comme avant. C'est quand même important le mariage. On s'engage une fois pour toute sa vie. J'estime qu'à partir de là, chacun est libre de choisir son partenaire. Tu ne vois pas? Si, tu sais que j'ai toujours partagé tes idées. Mais tu sais, nous les femmes, dans toutes ces histoires de mariage, on ne choisit pas. C'est vous qui avez le beau rôle. Bon, tu m'excuses, hein? Je ne veux pas rester longtemps avec toi. J'ai dit à ma mère que j'allais puiser l'eau. Alors, tu comprends? Si elle ne me voit pas, elle va chercher. On peut se revoir demain si tu as le temps. D'accord. Bon, je peux t'accompagner, si tu veux? D'accord. Angekwami. Ba manjanga. Halo tire mbila. Buruva mbila ngila semu ya sabu kuse wajanjani. Mu amuno buka sa andema. Kale ombre mntabu. Awo kongo kya. Ah. Ay nya. Je vous ai appelé, c'est pour vous parler un peu de la coutume. Mais comme ton frère n'est pas là, ça ne fait rien. Vous vous arrangerez. Depuis que ma femme, Osebe, votre sœur est morte, vous ne l'avez pas remplacée. Alors que vous connaissez la coutume. Maintenant, je veux une femme. Bon frère, c'est tout à fait ton droit. Je vais aller voir ça avec un bon entab. Bon, je m'en vais. On est mauvais. On peut un bon entab en boulot. Thank you.
On tentait là-bas à remuer les cacao. C'est quoi encore? On tentait de nous tuer. Parle, mais c'est quoi au juste? On tentait de tomber de la tête. Tu te rends compte? Il veut maintenant qu'on lui donne une femme pour remplacer notre regrettée sœur au CB. Ah, ça, on tentait d'étendre. Qu'est-ce qui t'étonne? On tente à raison. Ça fait longtemps qu'au CB est mort, Kabodja s'est marié. Il a raison de demander une femme. Mais je ne sais pas comment on va faire. Moi, je n'ai que des garçons. Toi, tu n'as pas d'enfant. Et puis, on n'a plus de sœur. Et moi, j'ai réfléchi en route. Il n'y a qu'à Kabodja qui peut nous sauver de cette affaire-là. Comment, Kabodja? Mais elle a trois filles, non? Elle n'a qu'à donner une à son père. Au fond, tu as raison. Bon, rentrons, on verra ça ce soir au village. Revient de chez ton père comme cela était convenu hier. Il nous demande une femme pour remplacer ta mère. Enfin, moi, tu connais que je n'ai pas fait de fille. Ton oncle Wunga n'a pas fait d'enfant. Alors nous avons réfléchi. On a pensé que toi-même, comme tu as des filles, tu peux arranger ça. Vois cela avec ton mari. Seulement, je vois que cette affaire-là ne va pas être facile. Hein? Pourquoi? Kala va bien comprendre que si on avait des filles, on en aurait donné une à Ntente. C'est la coutume. Mais non, ce n'est pas pour Nkala. C'est pour cette Ngondo-là. Nos enfants qu'on envoie à l'école d'aujourd'hui-là ne voient pas des choses comme nous. Ah, tu ne dis rien. Est-ce qu'à l'école, on ne leur dit pas de respecter la coutume? Même les Blancs, eux-mêmes qui ont amené l'école, eux aussi, ils ont des coutumes. Bon, on va voir. Kala? Mes oncles m'ont appelé tout à l'heure pour me parler d'un problème de famille. Alors, c'est quoi? C'est que mon père demande une femme pour remplacer ma mère. Or, toi-même, tu sais qu'ils n'ont pas de fille ni de sœur. Alors, ils ont pensé qu'on peut lui donner Ngondo. Je te comprends, Abodja, c'est la coutume, mais quand même, donner Ngondo en mariage à Ntente. Bon, on va dormir. Demain matin,
je vais parler en Gondo. Gondo, Tara, pose ton respirant. Viens t'asseoir là. J'ai à te parler. Ma fille, ce que j'ai à te dire est très important. Tu vois, dans notre coutume au Bali, quand on prend une femme et qu'elle devient vieille ou meurt, le mari peut demander à sa belle-famille ou à ses enfants de lui donner une autre femme. Enfin, pour te dire carrément ce qu'il y a, ta mère est embêtée pour donner une autre femme à son père. Depuis que ta grand-mère est morte, elle et ses oncles n'ont pas encore rempli leur devoir. Aussi, ma fille, on est forcé de lui donner une femme maintenant. Est-ce que tu me comprends? Mais Tara, parle carrément ce que tu veux me dire. Tu ne vas pas me dire que c'est moi que vous allez donner à Ontente? Ma fille. Quoi, tu veux vraiment que j'épouse mon grand-père? Je te comprends, Ngondo. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est la coutume. On ne peut pas faire autrement. Mais qu'est-ce que ça peut me faire, vos coutumes? Vous ne comprenez donc pas que toutes vos histoires-là sont dépassées? Ne t'énerve pas, ma fille. Tu peux être maudite comme ça pour rien. On t'a choisi tout simplement parce que tu es la grande sœur. Tes petites sœurs sont encore trop jeunes. Ah, c'est vos problèmes. Moi, je ne veux rien savoir dans votre histoire. Gondo! Gondo! A woman. Est-ce que je peux voir Wally et maman? On va le dire. Ah, tu veux dire, n'est pas là? Non, il est parti en brousse depuis ce matin. Dis-lui que je vais le voir. Hein. C'est grave? Ah, c'est les histoires avec mes parents, mais il faut que je le voie. Ah, Oumba. Ngwala. Mon mari vient de parler à Ngondo. Mais Ngondo lui a répondu qu'elle ne peut pas épouser mon père. Moi, je ne sais que faire maintenant. Alors, voilà ce que je te disais hier. Je te disais que ces enfants d'aujourd'hui là s'en foutent pas mal de la coutume. Ah! Vous parlez de Ngondo comme si Ngondo c'est quelqu'un. Ngondo c'est qui? De toute façon, elle va épouser Ontente. Moi-même et Wunga iront dès demain rassurer ton père. Allez, raconte un peu. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu te rends compte? Mes parents, mes oncles, presque toute ma famille a décidé que je dois épouser un tonton pour respecter la coutume au Bali. Mais ils sont devenus fous, tes parents. Comment peut-on encore, à notre époque, donner sa fille, à cause de soi-disant un coutume, à un vieillard qui risque même de mourir cette nuit? Et ils disent que si je refuse, je risque d'être maudite. Tu parles. Ça, c'est encore une de leurs inventions. C'est du chantage. D'ailleurs, si tu veux, j'irai bien leur dire deux mots. Mais non, ne fais surtout pas ça. Ça ne ferait qu'envenimer les choses. Je voulais juste savoir ce que tu en penses. De toute façon, il faut te décider. Ou c'est ton vieux d'Ontente, ou c'est moi. Ne te fâche pas. Tu sais bien que c'est toi que j'aime. Et puis j'ai dit à Tara que moi, je ne voulais rien savoir dans leur histoire au Bali.
Voilà. Depuis la mort de notre sœur Osebe, on n'a pas respecté la coutume au Bali. On te remercie beaucoup, Ontende, pour ta patience. Maintenant, nous avons une femme pour toi, Ngondo, la première fille d'Abodja. Bien, je vous remercie de la nouvelle. Et dans une semaine, je viendrai chercher ma femme. D'accord? Bon, on va te laisser. On s'occupe des préparatifs. Gondo, qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas, je suis depuis quelque temps de vertige en compagnie de musées. Oh! Mais ça fait combien de temps que tu n'as pas été rêve? Depuis plus d'un mois. C'est que tu es en grossesse, ma fille. Tu peux me dire celui qui t'a fait ça? Mais dis donc, ma fille, je te parle. Mais qu'est-ce que ça peut te faire, Nia? Comment ça? Qu'est-ce que ça peut me faire? Tu veux seulement savoir le nom de celui qui t'a mise en grossesse? Ah, pour que vous allez encore lui faire les histoires. Mais pourquoi lui faire les histoires? Ce qui est fait, est fait. Je veux seulement savoir. Tu me promets de ne pas lui faire les histoires et de ne le dire à personne? Non. C'est Tchouroudia? Quoi? Tchouroudia! Tchouroudia, ça c'est dangereux ça. Oh! Angélie, tu as vu Nia partir là? Si je l'ai vu partir, mais c'est mal été caché. Si on a pris Nia bien, on devrait me laisser chercher à tout le monde. Encore. Voilà, belle manson. Moi, on dirait mon abe. Quoi d'aller nini? Eh. Allez, maintenant, on va en tirer le bébé, mettez-le dans la jet, et là on y se ramène, je vais en tirer un peu. Voilà. Vous vous rendez compte, Gondé est en grossesse. Quoi? Gondé en grossesse? Mais qui l'a mise en grossesse? Tchouja, voilà. Tchouja, le fils de Ngumu. Oh! Mais il ne manquait plus que ça. On t'a dit,
On tente pas nous tuer. Et il n'y a pas de quoi s'appeler. Tu n'auras qu'à dire à Ngondo de dire à son Chugudja que nous voulons le voir ici. Tu te rends compte? Chugudja a un vantard comme ça là, qui se prend pour un blanc. Il n'acceptera jamais de te faire les plantations, aller à la chasse, ni te faire ce qu'une belle mère attend de son gendre. As-tu réfléchi à tout cela, Abodja? Je suis d'accord avec vous. Mais le problème, c'est de savoir qui va annoncer la nouvelle à mon père. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Demain, j'irai voir Ntente. Chugudja! Chugudja! Viens, Ngondo. Viens, elle est bonne. Pourquoi ne viens-tu pas te baigner? Je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais, j'ai du retard dans mes règles. Et je crois que je suis en grossesse. Merde! Nia m'a demandé qui était l'auteur. J'étais obligée de dire que c'était toi. Mes enfants, ça peut tout arranger. On va aller voir tes parents. Comme ça, au moins, je peux carrément te demander un mariage. Et la fête d'Ontente, on n'en parle plus. Hein. Enfin, je ne sais pas si c'est la bonne solution. Je vais voir. C'est comme tu veux. Bon, on rentre. D'accord. L'affaire de Ngondo là m'embarrasse beaucoup. Je ne sais pas comment on tente va le prendre. On verra bien. Ngwale Ombonanta va nous le dire demain. Mbonanta, qu'est-ce qui t'amène de si grand matin? Ah, beau frère, c'est grave. Bon, rentrons. Je ne sais comment t'annoncer ce que j'ai à te dire. Ngondo en grossesse. Quoi? Ngondo est enceinte, mais depuis quand ça? Je dis, hein, toi et Wunga, vous me prenez pour qui? Mais nous aussi, on ne le savait pas. C'est seulement hier qu'on l'a appris. En tout cas, pour moi, il faut me dire celui qui a fait ça. Pour l'instant, rassure Abodja de rester tranquille. On va voir ça quand Ngondo va accoucher. Comment? Ces gens-là me prennent pour un couillon. Ben où est ma cour? Soit belle mon nom. Après manger, on ira couper les liens, hein? Oui. La manique là. Omiya. T'as long vu? Yeah. Papa dit que il veut te voir. Dis-lui que j'arrive. Tara, enfin, je crois que je sais pourquoi Mbono Ntaba veut te voir. Mais si tu sais pourquoi Mbono Ntaba m'appelle, dis-le. C'est que Ngondo est enceinte. Je veux dire qu'elle est enceinte de moi. Ah! Comment toi aussi tu fais des choses comme ça? Tu sais que Ngondo est la femme du grand chef? Mais non, que je ne le savais pas. Enfin. Je veux dire que je ne le savais pas avant. Comment toi aussi tu ne le savais pas? Tout le monde sait. Ngondo est la femme d'Ontente. Je verrai Mbono Ntaba. J'irai le voir. Ndenga mekemanja malende blango ko chiboga majiwaninga den chinchike ko dile ngongongo dile lempibile tina ya ha ba sango yenonga sa yonga ndem ba ngi ngonda chika yanga dogon adwan ko kola se ngai ko kola de ngande momitom
un vrai majeur à mon âme à courabe. Il y aura tara, ne bois. Un de 20 ans, un drame 20 et double. Le rage à belle macan boire au congé au clan. Papé. Papé sans parler. Papé. 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 Ama bere ingile nywa ama kajele kokolo shuka atasha le mona ndei koko kona ngale tume le jema ngoko nje ka briko yangile jema no shwa be mande ntindamba ka kubo kolume ande ntinjala kale nde njala kale ah be jare mere ngabe me mere force ndema force ndene ndene njalo nya ame mere jale au ntendele mpa yino okale ba ukado kale ambe le kosi ke pundile malama abona ota lebela ngoka jesa ngama ngori ama no minute ni yakule nde ndaga kama tu kwa chatu wa me yanga aprile yao simbolera nja mama ndaga la to impana nje ngiko ay kape anya kape anya kape anya amfam ay sampare sampare anya sampare ya na sana nda amfam ako sampare kape ema le sampane ko kore wonde phela ngathi nama nanchu anchu akuma maki masaka ngaka ame mle sabona Tara! Tara! Ngonda akushe infi! Ngobe! Ngobe kade ngabe mrepane njenge kokondo boke yale kokulane. Eyo kaja akasha shone je bana onde lo bokonga. Ça c'est bien. Hein? Tu vois unga? Tu as maintenant une femme. Je ne dors pas. Enfin, on va fêter ça. Dis à tous les hommes d'aller à la chasse. Et que les femmes aussi aillent à la pêche. Tu vois? Ya boye mi, ebe mana okula. Njambia commanda binabe la bande. Onga. Kuron pointe. Na wotu sai ke ba wotu. Mama o kono e kuna kale ha? E na bere iwa. Na le chele o lente. Sara mende. Ya bisa mbak pun ni lemak aku. Pilihan ni. Pilihan jibir kali. Kalau ni. Jangan. Oh, ini bapak ni. Okey lah pun ni amon ini. Ini pilihan asan cekok. Ini jalan ini. Le gars a bêté. Here!
Je suis
sera au pied à bas. Thank you.
malade. Gondo, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'enfant, il vomit tout le temps. Moi, je ne sais pas ce qu'il a. Bon, je vais aller dire en voilà au Monantaba d'appeler le guérisseur. Mais tu ne crois pas que c'est mieux que je l'emmène à l'hôpital? Ce n'est rien. As-tu peut la soigner? Moi, je préfère l'emmener à l'hôpital, peut-être que c'est grave. Ah! Voilà, hein? L'enfant de Ngondo est malade. Mais elle ne veut pas qu'on aille chercher Ati. Elle dit qu'elle veut l'amener à l'hôpital. Toi aussi, on dirait que tu as peur de ta fille là. Quand elle était malade, c'est pas Ati qui l'a soignée. Fofo! Fofo! Va m'appeler Ati. Tu es doué, mais je connais mon angle de ma bielle. Ma zigayang, yoga ma chuango, zigayang, yoga ma chuang carande, zigayang, yoga chuma ma chua tarande, zigayang, mama doua zigua chua guang, gang mon angle. De mon abiel, apondung en awa. Carrigan duangu, ou duo, carrigan dua tar, ou duo. Nga ati ama hapa. Ye wujua. Egi njimimu. Yawa pundu wonga abu. Wubu ya buya abu. Kanjua achara nje. Kapundu wa njua achara. Masura na achara. Nguo tuwa mapa. Nguo tuwa mapa. Nguo tuomo hapa. Nguo tuomo hapa. Otiba una. Ngo. Bongo. Bongo. Kali wongala. 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 Kali njobi. 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 Kali maishura mekua. Ngaba usilama ya chimbi. La chimbi mbele. Mbele apuru. Mbele. Mbele. Yonju nje mbili. Bongo amekanga. Bongo. Kali maishura mebango ba. Wala ndima. Buwa mbunu. Buwa mbunu chara. Buwa mbunu chara. Kadima chura mbiba mbunu. Mwana mpuka chara. Mwana mpuka chara. Ah, kanjwa buwa nku. Kanjwa buwa nku. Kanjwa angu. Kanjwa angu. Kanjwa angu. Bela shukulibu. Bela shukuma wamele ya. Benga la shukunga benga. La shukula linga benga taro. Bela shukuma wamele ya. Mendele. Je suis malade là-bas. Quand il me fait, putain, me fait. La chouine quand je vais mourir là-bas, Un jour, bourgo, on tient un gars, un mauvais, mauvais baya, il est longabé, dogonyanga. Je vais lui dire là quoi la bémoana. Comme la bémoana quoi l'endigna même. Mais quand j'ai un bourgo, quand il charge, je vais aller le gommer mon yanga. Bon dia, campagne, on va les manger. Maman, si ma bonne, on t'en t'aime à si me blève, Kadi. Adi à quoi d'une grande tarte. De bois boule baya. Ama quarante de mon atarang ataram. De mon a guapuja, comprendant. La toile varando umbila. Akuanga, akuanga tar. Akuanga, belle woman de voyage. Bilevia, endo kariwanga. De brimo karimpo. Ah, de gonya, cognon on de waka. Cognon on de waka in de mokaimon, watarifun de vasim, tu esime mon. Tu sais, Ati a dit qu'il n'y a que mon père qui peut la soigner. Moi, je ne crois pas à toutes vos histoires. Là, je t'ai dit que je l'amène à l'hôpital.
De l'enfant. Gondo Binta. Il est malade? Oui. Qu'est-ce qu'il a? Il a la diarrhée toute la nuit. Depuis quand? Depuis ce matin. Depuis ce matin. Il vomit? Oui. Beaucoup? Oui. Est-ce qu'il s'est bien? Non. Non? Pas du tout? À la buvette hein, et ramener l'enfant dans 3 jours pour qu'on voit comment ça va. D'accord. Et le peser. Voilà. Au revoir, madame. Au revoir. Maman. Papa m'a envoyé de te dire que l'enfant de Ngondo est malade. Depuis 2 jours qu'on l'a amené à l'hôpital, toujours ça ne va pas. Le petit cher a dit que c'est le mec qu'on tente qui peut le soigner. Mais il faut que tu sois aussi là. Donne mes yeux. Oui, je reviens du village de Yambango et là-bas pour régler des petites histoires. Ah, vos frères ont tenté. Si je suis revenu cette fois-ci, c'est pour vous dire qu'au village là-bas, ça ne va pas. L'enfant de Ngondo est gravement malade. Mbona Ntaba et moi, nous avons fait venir Ati. Et Ati dit qu'il n'y a que toi qui peux soigner l'enfant. Hein? Je vous l'avais bien dit. Vous voulez jouer avec la coutume? Bon, je veux venir parce que c'est mon arrière-petite-fille. Seulement, tu diras à Mbona Ntaba qu'avant de faire quoi que ce soit, il faut que l'on me dise le père de l'enfant. Je suis là.
Voilà, je suis là. Seulement je tiens à répéter tout ce que j'ai dit à Wunga. Qu'avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord que l'on me dise le père de l'enfant. Qu'il vienne me demander pardon. Ici et à genoux. Ontente, le père de l'enfant de Ngondo, c'est mon fils Tchouboudia. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Ongumu? Est-ce que j'ai bien entendu? Ton fils Tchouboudia? Ce bandit qui se prend pour un blanc? Ah non. Qu'il vienne se mettre à genoux devant moi. Et tout de suite. Ah, Ontente, toi aussi. À ton âge, il faut savoir pardonner. Ne me parle pas de mon âge. Est-ce que je peux être ton père? Ton fils m'a offensé. Je veux que justice soit faite. De quelle justice tu me parles? De ma justice à moi, Ontente. Celle que mes parents m'ont laissée. Ontente a raison. Après tout, mon petit frère et moi, nous sommes d'accord avec toi. Le jeune Tchouboudia doit payer l'adultère. Quel adultère? Tchouboudia m'a volé ma femme. Il doit me donner une autre. Sans quoi, je ramène à Bodja et tous ses enfants. T'as raison, grand-père. Mais ce qu'on te demande pour l'instant, c'est de commencer à soigner l'enfant. Je ne suis pas ton grand-père. Tu dois m'appeler grand chef Ontente comme tout le monde. Écoute, Tchouboudia, tu exagères un peu trop. Hein? Mon oncle t'a demandé de te mettre à genoux. Est-ce que c'est difficile? Moi? Me mettre à genoux? Ça va pas, non? Bon, Ontente, que veux-tu au juste? Ce que je veux, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, que je veux une autre femme. Ta sœur Wali, hein? Mais il débloque complètement. Un vieux comme ça, là? Tais-toi! Ontente, j'ai compris. Je veux tout d'abord qu'on soigne l'enfant. Pour l'enfant, il n'y a pas de problème. J'ai déjà préparé des plantes. Seulement, j'attends que vous m'amenez ma femme, Wali. Le médecin. Mmh. Ontente demande qu'on lui donne Wali à la place de Ngondo. Tout ça là, c'est à cause de Tchouboudia. Qu'est-ce que je peux encore faire? Ma femme. Wali? Tara. Tu sais que Tchouboudia a fait un enfant à Ngondo. Ngondo était la femme dont Tente est donnée par la coutume. Maintenant, l'enfant est gravement malade. Ati a dit qu'il faut Ontente pour la faire soigner. Ontente lui aussi. Il a dit qu'il faudrait que, avant qu'il soigne son enfant, il faudrait que tu sois sa femme. Sinon, il reprend Abodja et tous ses enfants. La situation est dangereuse, ma fille. Qu'est-ce que je peux faire encore? Tout ce que je veux, c'est que l'enfant de Tchouboudia soit guéri. Mais Wali, tu es folle. Tu ne veux pas tout de même pas épouser ce vieux. C'est toi. Tu n'avais pas à désirer la femme d'Ontente. Il ne manquait plus que ça. Donne Wali à Ontente. Ah, Jean-Charles, Seigneur.
c'est le ministre. Ah. Le maître Mia. Ah, belle. Bon, voilà, on tente. Je t'ai amené ta femme. Grand chef, on tente. Mes parents m'ont parlé. Je suis prête à réparer l'affront que t'as fait mon frère Chugudja. Seulement, je te demande d'accepter que je devienne la femme de ton neveu Ngasala. Ainsi, je serai la femme de ta famille et la coutume au Bali est respectée. Ah, Wally. Tout au moins toi. Tu es une fille digne de nous. Ça, j'admire ton intelligence. Ngasala, hein? Va chercher la dot que j'ai préparée. Voilà. On est là. Bon, amenez l'enfant, on va le soigner. Nabe, Akaram, Ngobalram, Yangle, Nakuni, Yangle, Mwanangondo, Yangle, Oma Bile, Najonga, Limon Tenteo, Yangle, Gobila, Yangle, Okarabo, Yangle, Aboman Pime, Yangle, Oma Abusame, Yangle, Mwana Ongumu Chugoja, Yangle, Oma Tolo, Yangle, Mochuo Lobi, Yangle, Ongumu, Yangle, Omunjo, Yangle, Omempame Mwanando Kasi, Yangle, Mamwano Kasi Dwa, Yangle, Okara Mwanankela Mngasala, Yangle. Moi tu es le bi, on gumu, on me brawa yang anjuno, na akunga, ayu mimpabe, na yugu si siele, na be, bele ni sa mwanangondo kocha cholo, machuja, mangondo, akayemwe, matara bongumu, mangwa bole mese, boka yemwe, mamwana mengasala, mando kare wale, ame ankulon tente, bisa sole kayemwe, nganjala mombona ntaba, kaunga, nankara okome, maboja mwana me, tabo asu sole kayemwe, mwa okani kale Bunukali, le tourant. Bon. Le bois chatolo. Ngasala, va chercher le groupe Njobi. On va fêter toute la nuit.